Ok, bonjour les garçons. On va faire la strat sur Coastline, Hookah, puis Billard. Ça prend Smoke, Mira, Jaeger, Castle, puis le dernier c'est un freebie dans le fond, c'est un roamer, ça peut être Vigil ou whatever. Secure the bombs. Alright, alors là, on va faire les trucs nécessaires. Je vais commencer par les murs. Un mur ici. Ben celui je vais le faire parce que ça aide le skill. Wall is fortified! 5 6 7 8 9 puis celui ici 10. Les castles. Il y a un castle ici. Les castles sont représentés par une barricade avec un petit trou. Alright, c'est bon. Ici, il y a un Jaeger. Tant que toute la strat va être finie de monter, on va vous expliquer qu'est-ce que ça sert à quoi et c'est quoi les idées derrière là. Ça ressemble à ça ici. Chez mes chansons. Ouais. Ça c'est un castle ici. C'est deux derniers castles déjà, rien. Dans le mid ici. Ah ouais, c'est fait que les positions et à quoi ils servent. Le plus obvious, bon c'est moi je suis ici, fait que ces deux murs là ici là sont barricadés pour sont renforcés, je veux dire, pour pas que les gens puissent me tirer du hallway wall bank. Fait que j'ai un Mira ici, si quelqu'un push aquarium, super easy de lobby des smokes. En plus il colle sur le shield, fait que ça me permet vraiment de smoker le connecteur au complet. Je peux me tenir ici aussi. Fait que mes smokes sont faciles à envoyer, ça push par la porte, ça ying, whatever. On l'a déjà testé, si je l'envoie ici, ça smoke toute la porte. Ensuite, je suis capable de l'envoyer là-bas pour smoker plus à droite. Puis de toute façon, Orion, il y a des angles ici jusqu'à droite. Fait que moi, c'est plutôt d'envoyer ma smoke ici, quand même assez easy. Surtout que je peux l'envoyer comme ça au travers des trucs, là. Juste aligné de même, ça me fonctionne. My toxic babes are in position. Vous voyez? Fait que ça permet de smoker tout le derrière sauf ici, mais ici ben il y a Orion qui est capable d'avoir un angle puis t'as son C4 au besoin. Et ça c'est la... Ah puis j'ai aussi des options, fait que si jamais ça monte les stairs, je peux me cacher comme ça, on l'a testé, on me voit vraiment vraiment tard puis je suis dur à tirer. Si jamais on sait qu'il y a personne dehors, je peux être ici, avoir des petits angles avec glitch de bombe, c'est super nice. Ensuite la position Orion, assez obvious aussi. Fait qu'il est là, il peut m'aider avec la porte, il peut piquer la window, il peut piquer les stairs. Il est aussi capable de se revirer, d'avoir un angle ici. Le castle ici qui est important, dans le fond, s'il pète, ben j'imagine qu'il peut rotate par là. Il aller jouer comme derrière son mirror ou whatever. Le castle est ici. Le castle, ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il défend aquarium. Fait que ça, j'imagine que ça pourrait être, s'il veut, barricadé, ben normal. Door is blocked! Il y a un shield, le shield il donne quand même des bons angles. Il est mal placé parce qu'il y a un peu mal plancher placé, détruit, là, mais tu sais au pire là, ça donne des bons angles comme ça là, c'est pas mauvais du tout. C'est un moyen tu sais, comme de juggler, d'aller chercher des angles différents, fait que c'est super nice. Puis en même temps le shield ben il nuit un peu à la rotation si jamais ils font un push aquarium. Il y a moyen aussi de mettre pour moi du barbelé. Comme ça. Ça fait que ça va être vraiment difficile pour eux de rotate rapidement, mais pour nous ça va être vraiment pas super. Le lésion, super important, ils jouent on stairs, ça va sûrement finir par mourir, mais sa job c'est genre de mettre des lésions, puis de ralentir le push. Fait que si jamais ils font un ying puis ils viennent planter, ben il peut tirer le monde évidemment, ça c'est classique, mais si jamais il meurt ici, c'est important que ce soit une lésion parce que les stairs vont être pleins de lésions. Fait que ça va être vraiment facile pour Orion ou moi de tuer le gars qui va être dans Cold Vibe Stairs.
puis après ça, il y a deux roamers, fait qu'il faut absolument un roamer qui est dans le coin de penthouse, puis VIP. Puis l'autre roamer, j'imagine qu'il peut se promener en bas, aider le lésion, ou bref, il fait comme du support roaming. Puis voilà. Je pense que c'est tout. J'ai-tu oublié quelque chose, Sam? Les Jaeger Spot. Ah oui, les Jaeger Spot. Ouais. Ça t'en rappelle? Ouais. Un ici. Il y en a jamais un avec moi sur ce mode. Puis, je pense qu'on on t'en mettait un ici, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. D'un coup, ça essaie de me choc des nez, pour voir les castles dans le milieu. Deux. Ouais. Pourquoi qu'il serait, en passant, une raison pourquoi que le Jaeger serait pas ici, c'est parce qu'on veut aussi qu'il pogne les haches. Fait que s'il y a une hache qui arrive ici, elle va envoyer son hash charge là pour avoir des jambes sur Orion pour moi. Mais son hash charge va se faire pogner ici, fait qu'on va avoir Waze du Utility. Ce qu'on sera pas capable de faire s'il est derrière le shield. C'est ça, personne qui joue derrière le comptoir parce que c'est un dead trap. Je pense que c'est ça. Au revoir les garçons. Nest of Duty is in position.